Et salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Borderlands 2. Alors, on se retrouve à l'endroit où on s'est arrêté la semaine dernière, c'est-à-dire juste devant l'ange où il nous restait un injecteur à détruire. Donc là, voilà, je perds déjà mon armure à cause de ce truc-là. Ok, et je meurs. Voilà. Bon, merci ma tourelle. Sans ce coup-là, on peut le dire. Elle m'a sauvé la vie. Pour ça, je suis du genre à prendre Axton. Hop là. Ça va être plein de munitions, oui. Et de l'autre côté. Voilà. Bon allez, ça serait bien qu'on lance des pêches. La première vague était plus rapide, plus dure hein, quand même. Maintenant qu'il y a Roland et Lilith, c'est quand même nettement plus facile, même si bah on peut toujours mourir, hein. Voilà comme là. Donc je ne sais pas pourquoi j'ai été touché par lui. Ouais, là c'est pas des munitions dont j'aurais besoin. Voilà. Ah, ces trucs-là qui me font brûler, quoi. Et voilà, ça y est. On a réussi. J'adore l'ange. Quel genre d'homme peut faire subir ça à sa propre fille? Il y en a qui naissent pour mourir. Yes. Elle est morte. Jack vient de perdre son seul moyen de réveiller les guerriers. On a la clé de l'arche, mais c'est loin d'être fini. On doit trouver Jack et le descendre. Lilith, amène la clé à Thanis. Moi, je pars chercher Jack. Eh ben, il t'a trouvé, je crois. Reste poli. Vous savez ce qu'on dit? Faut pas chercher des crosses à un type qui n'a plus rien à perdre. Et vous allez vite comprendre tout ce qu'il vous reste à perdre. J'ai la sirène la plus puissante de la planète avec moi. Lilith, tue le chasseur de l'arche. On a un rancœur avec le guerrier. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, bordel? Voilà. Sanguine, et maintenant ça? Chasseur de l'arche, retrouve-moi à Sanctuary. Faut qu'on sauve Lilith. Allez, non. Je suis full munitions là, quoi. Mais il y a plein d'argent et plein d'armes. Et je suis plein. Malgré que j'ai pris un niveau, j'ai pas les niveaux suffisants. Bon.
24. Alors, 24, mais vitesse de rechargement et dégâts grenades. Savoir si après ça peut m'intéresser. Non, je pense pas. Je préfère une bonne régène, quand même. Ah, j'ai tout ça avant. Wow. D'ailleurs, oui, je pourrais voir. Est-ce que j'avais des armes niveau 23 sur moi? 24, non, seulement. 20, mais ça... Ah, 23, rechargement bouclier. Ah. Donc pour l'instant, je ne peux rien faire. Alors ici, il y a quoi? Niveau 24. Niveau 24. Là, rien. Bon, bah. Le problème, c'est que je crois que je peux pas revenir après. Ouais, attends. On va jeter quelque part dans un coin. Tout ce qui sert à rien, on va jeter ça ici. Alors, tout ce qui vaut rien. Oh, j'ai plein d'armes niveau 24 déjà sur moi, quoi. Améliorer le temps de latence entre les actions. Ouais, ça je peux jeter. Temps de latence, rechargement de bouclier. Rechargement de bouclier aussi. Celui-ci, je le jette. Les grenades aspirent, donc ça c'est trop pratique. Ça, je jette. Et un bouclier. Alors, sur les deux boucliers... Lui, il vaut cher quand même. Et probabilité d'absorption. Avec un dé de rechargement de 4,20. J'aurais dû mettre celui-ci en fait. Hein. Ouais. Bon allez, on jette celui-ci. Hop, voilà. Donc j'ai combien d'emplacements de libre du coup? 4. Celui-ci est alors pas mal. Mais cadence bof. Tire améliore la précision, c'est mort. J'ai le Maliwan qui est là, le Tedior. Bon, je prends ces deux-là. Le physique, bon, le slag, ouais, faut que je compare avec. Par contre, le chance de slag est énorme quand même. Précision bof, cadence de tir moyen, les chargeurs, ouais. Et qui fait vachement de dégâts. Putain, la précision pour un pompe. En plus, on voit pas grand chose. Ça, c'est problématique. Est-ce que j'aurai un pompe de rechange, en fait? 191.5. Ouais. Non, c'est pas ça que je vais faire. Je voulais le jeter pour récupérer celui-ci à la place. Ok, bon, allez. Ouais, ça, on peut plus y retourner. Qu'est-ce que... Bonjour.
cochonnerie de chasseur de l'arche. Le fils de pute. Je me suis fait entuber. Mais non, t'as pas entubé. Ton magasin. Je t'ai fait atterrir à Sanctuary. Je me sens. Ouais, classe comme ça, Lilith. Cette machine que Jack utilise sur moi. Alors. Là, y a rien. Ok, bon, allez. Allons voir. Ouais, déjà, c'est sympa, un peu d'iridium. Normalement, j'en ai aussi à... Enfin, à utiliser, déjà. Y a rien de bien. Ok. Bon. Allons voir Mordecai. Interdit aux anges de... Roland, chasseur de l'arche, tu es notre dernier espoir. Jack a tué Roland. Il a tué Sanguine. Mais pas question qu'il tue Lilith. Jack va avoir besoin de temps pour charger la clé de l'arche. Il te suffit de découvrir où ce guerrier est enterré. Il n'y a qu'un seul endroit sur Pandore où on peut trouver ce genre d'infos. Les archives d'Hyperion. Va là-bas. J'ai un truc à te faire faire. Voilà, ça. Les gens ne savent pas pour Roland. Peuple de Pandore, ma fille est morte. Assassinée par le chasseur de l'arche. J'ai donc décidé d'annuler la prime offerte pour sa mort. Si vous butez ce gros tas de fumier tueur d'enfants avant moi, je vous retrouverai. Et vous regretterez de m'avoir privé de ma vengeance. Faut que j'y parle. Vous savez bien que je le reverrai, ce flingue. Je l'ai acheté à un gars il y a quelques mois. Super flingue. Mais... Mais... Je l'avais revendu à Horace, un bandit. Roland... Voilà, enfin. Moi, on était rarement du même avis. Ça l'ennuyait que je vende des armes aux bandits. Non. Sans lui, je n'aurais pas survécu à New Haven. C'était un type bien. Jack a tué Roland ? Ah, le salaud ! C'est Roland qui m'avait aidé à éliminer Monsieur Chien. Et contrairement à pratiquement tout le monde ici, c'était un vrai gentleman. Je sais pas. Je sais plus quoi dire. Oh, sang, scooter. Ouais, cette quête-là, je la ferai juste après avoir parlé à Scooter. À Z même. Devrait y avoir un coffre ici. Là, c'est bon. Oui, il y a de l'iridium nulle part, hein. Hop. Oh, toujours pas, quoi. Bon, bah, aujourd'hui, personne n'a d'iridium. Ok. Allez, on part la Z. Tanis et Brick. Première rencontre, je l'ai soigné après qu'il ait buté des gars de Nine Toes. Il avait l'air sympa. Ah, Neuf Orteils. Non, c'est le premier boss de Borderlands 1. Si Roland ne m'avait pas contrainte à emménager à Sanctuary, je ne serais plus de ce monde. Je suis désagréablement surprise de devoir constater que je suis... Désolé que Roland soit mort. Désolé pour Sanguine, Mordi. Désolé de t'avoir embarqué là-dedans, mais il fallait que quelqu'un le leur dise. J'ai transmis le code d'artillerie de Roland vers ton système Echo. S'il y a quelqu'un qui mérite son matos, c'est bien le mastoc qui va venger sa mort.
Ok, on redescend. Et c'est là. Alors. Dio 25. Ah ouais, chouette. En plus, sur du ouais. Donc pour l'instant, de toute façon, je ne peux rien faire. Allez, on laisse. Oui, j'ai... est-ce que j'ai des choses à revendre? Je crois pas. Moi, je revends ça vite fait. Il va falloir que je trie une fois que j'aurai le niveau, parce que là... Alors, j'avais dit qu'on ferait la quête qui était en bas. Allez, il faut que j'aille au rapport. J'irai juste après. Ah, de l'aide ? Écoute, c'est une longue histoire. Non, c'est une histoire très courte. J'ai cru deux histoires courtes. J'ai partagé le butin en quatre. Et quelqu'un l'a fauché avant qu'on ait le temps de le partager. Ces abrutis s'engueulent encore. Ici le Marshal Friedman. Si vous rabattez le caquet de ces nuisibles, vous me rendrez un fier service. Mais sachez que seul l'un d'entre eux dit la vérité. Les trois autres, c'est que des mensonges. Tâchez de découvrir qui a dérobé les autres et mettez-lui une rousse de ma part. Oh, ce serait formidable. Donc. Écoute, ça reste entre toi et moi. C'est O'Cantler, le voleur. Quand on se roulait des galoches, il m'a dit « Ouais, poupée, je vais piquer l'argent. » Et moi, j'ai dit « Non, fais pas ça !»« Mais si, poupée, je vais te prendre, » qu'il m'a dit. Et j'ai dit « Oh, ce serait pas correct. » Mais ça m'excite. Donc, elle a dit que c'est lui. Ça m'a volé l'argent. Aucun doute là-dessus. Après qu'elle et O'Cantler ont fini de... fêter le succès de notre expédition, je l'ai vu glisser le butin dans son pantalon. Nice. Ça me raconte n'importe quoi. Bah, écoute, vu ce qu'on sait tous de la conscience humaine, j'ai qu'une seule certitude. Je n'ai pas pris cet argent. Je connais ma conscience. Et je sais que ma conscience n'a pas volé cet argent. Si je connaissais la conscience de tous les autres, je pourrais peut-être t'aider un peu plus. Mais malheureusement, je peux parler que pour moi. Et c'est ce que je fais. Je parle pour dire que j'ai pas volé cet argent. Donc... Sam dit que c'est O'Cantler. Lindy dit que c'est Sam. O'Cantler dit que Sam dit n'importe quoi. Et Jim dit que c'est pas lui. Donc, s'il y en a qu'un seul qui dit la vérité, c'est Jim. Donc, Jim dit la vérité. Donc, Sam dit que c'est O'Cantler. Donc, c'est pas lui. Et du coup, c'est dire que Sam dit réellement n'importe quoi, donc O'Cantler peut pas mentir sur ce coup-là. Donc si Jim ment, c'est à dire que c'est lui. Et si Lindy dit la vérité, enfin non, si c'est O'Cantler qui dit la vérité, donc Sam ment, c'est bon. Jim ment. Donc c'est bon, et Lindy ment, donc c'est bon. Donc c'est O'Cantler qui doit dire la vérité, donc c'est Jim. Voilà. Faut croire que c'était Jim le voleur. Hey, merci d'avoir sauvé 75% d'entre nous. Tiens. Voilà, c'était facile. Bon, alors je vais au rapport de l'autre mission. Après, ben, on va aller au marché noir. Et après, je pense que ça va être la fin de l'épisode. Il faut pas que ce soit pour rien, amigo. Trouve Jack. Descends-le. Et on partira à la quête de Jack à partir du prochain épisode. La chaîne du Dieu.
Et voilà, voilà. J'ai 13, donc déjà je peux pas acheter ça. Ça m'intéresse pas. Du sniper serait cool. Ou alors du pistolet. Parce que j'utilise pas mal mon pistolet. Ce qui risque de changer peut-être au prochain niveau. La mitraillette, j'utilise pas. Enfin, les, ouais, les mitraillettes. Le shotgun encore. Ouais, le shotgun. Hop là. Voilà. Donc, ça va être tout pour cet épisode, hein. Donc, je vous dis à la semaine prochaine, bah, pour, la suite, bah, des aventures de Borderlands 2. Donc, je vous dis à la semaine prochaine. Salut à tous.